Ça s'annonce beau. Eh oui. Il fait encore un temps magnifique ce matin. Marée haute. Non, mais c'est-tu le paradis se réveiller le matin avec le son de la mer? Wow! Le problème en région, c'est quelquefois, il nous arrive des pépins, puis il faut aller loin. Il a fallu que je revienne à Gaspé pour venir me chercher des fuses, parce que j'ai fait sauter une fuse un matin. Mais ça, ça fait partie des plaisirs. Donc, vu qu'il fait beau, on se promène encore un peu avant de repartir. C'est réparé. Donc, tant qu'à être à Gaspé, on va déjeuner ici, puis après... On va connecter le trailer pour se préparer parce que demain, c'est le retour à Québec. Donc, c'est la journée pour préparer mon départ. Le spécial déjeuner à 6 piastres ou 5 piastres, c'est vraiment pas cher. Bon, on est donc à 763,4 km depuis le dernier. 75,48 litres. Puis là, je l'ai gazé au super parce que je vais traîner le train là. Alors, j'ai fait mes calculs. 763,4 km pour 75,48 litres, ça me donne 10,1 litres au kilomètre. Au 100 km, ce qui est excellent pour du viroyage tout le temps. Le prochain plein, ça va être plus triste parce que je vais tirer le trailer. Mais je... Bon. Mes tests de connexion sont faits. L'électricité marche bien. Mes chaînes de sécurité sont mises. Il me reste juste le petit cadenas ici pour barrer l'ouverture. Le truck est pratiquement chargé. Le trailer est piné en arrière. On est prêt pour l'aventure demain. On fait quelques détails demain matin, puis après ça, en après-midi, une petite sieste, puis en fin de journée. Je prends la route vers Québec.